smash it in. Hello, il est actuellement 7h du matin, on est samedi, je viens de me lever. Aujourd'hui c'est une journée super chargée parce que Elliot se fait tatouer toute l'après-midi. Du coup évidemment je viens avec lui, j'irai travailler chez le tatoueur, mais c'est aussi the MTT day, donc j'ai pas le choix de filmer le plus tôt possible. De base je devais filmer vers 11h, sauf que ma prise de sang est ce matin et il faut être à jeun depuis 12h. Ne vous inquiétez pas, je me suis renseigné, un matcha dans de l'eau, ça passe. Donc ma prise de sang est à 9h du matin, je suis déjà en train de crever la dalle. Il est 7h du matin, mon but va être de filmer MTT, de finir vers 8h30, 8h45. Comme ça, dès que je sors du bureau, je peux foncer à ma prise de sang, après manger des croissants. Donc voilà, c'est le programme du jour, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Il commence le jour où le précédent sortira. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc là, je vais aller me mettre à filmer, plus vite j'ai filmé, plus vite il sera 9h, donc plus vite je pourrai manger, je vous assure, j'ai jamais eu autant faim. En plus, on a fait les courses hier, donc j'ai tellement de trucs à petit déjeuner, mais c'est pas grave. D'ailleurs je précise juste, on m'a énormément demandé mon make-up du moment, donc comment je réalise ce make-up alors que je vous assure qu'il y a 3 produits. Donc je vous ai filmé une vidéo sur ma relation et comment j'étais toxique avant. Je sais pas si elle sera déjà sortie au moment de ce vlog, si elle est sortie je vous invite à aller la regarder puisque je parle de mon make-up dedans. Et sinon honnêtement les gars, je mets juste de l'anti-cerne un peu plus orangé ici pour masquer les repousses de poils. Le blush Rare Beauty en teinte Hope. J'ai la sourcille de Beauty Bay en teinte brunette et un crayon à lèvres de la couleur de mes lèvres qui vient de chez Action. D'ailleurs, pendant que je parle make-up, je vais penser à ça. J'ai promis à une personne qui me suit de lui envoyer cette palette parce qu'elle est introuvable à Action en ce moment. C'est ma palette d'highlighter préférée. Et du coup, je m'occupe de l'envoi aujourd'hui pour que ça parte lundi et que cette personne l'ait mercredi. Donc, je vais le mettre dans un petit colis. J'ai reçu un colis de Yepoda hier. C'est une commande, hein, c'est pas un envoi presse ou peu importe. Et je vais mettre la palette dedans. Je vous montrerai, mais comme ça, c'est trop chou. Et en plus, le colis est trop beau. Et ça fait un petit peu un colis personnalisé. Mais je vais la mettre dans mon sac avant d'oublier. C'est parti, tournage. J'espère que je vais y arriver, que je vais pas m'emmêler les pinceaux. Parce qu'en plus en ce moment il y a plein de haters sur ma chaîne principale. Donc si jamais je fais des fautes, oulala, attention, le bûcher pour Rudy. Je viens de terminer le tournage. Je vous avoue ça m'a fait trop bizarre de voir le soleil se lever. J'ai eu un petit en mode waouh, c'est trop chou. J'ai un peu moins faim mais j'ai hâte de faire la prise de sang. Je crois qu'il va être 8h20, 8h30 et j'ai à peu près 15 minutes de route. Donc plus l'attente ça fera 9h. Là tout de suite je vais juste ranger le studio. Puis je vais rentrer à la maison tout simplement. Faut que je sorte Blue, faut que j'urine parce que j'arrête pas de boire du coup pour compenser la nourriture. Et je n'arrête pas d'avoir envie d'uriner. Je suis content, le tournage s'est plutôt bien passé, il était plus long que ce que je pensais. Donc hâte de commencer le montage cet après-midi chez le tatoueur. Je vous prendrai avec moi je pense. Mais pour l'instant, rangement. Vous venez? Je me lasserai jamais de cette blague.
Ok, merci. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, Elliot s'est trompé de jour. C'est pas aujourd'hui son rendez-vous, c'est mardi. Du coup, on est allé au rendez-vous pour rien, jusqu'à ce qu'on arrive devant et qu'il se rende compte qu'il s'est trompé de jour. En soi, c'est pas grave, mais du coup, je dois travailler à la maison. Donc là, on est rentré, je vais aller me balader, puis je vais bosser, quoi, tranquillement, comme si c'était prévu, comme si on n'avait pas eu de rendez-vous. C'est pas grave. On te verra lécher le couteau en fait. Just
Cause I'm doing better, life cannot be more golden. But honestly, I won't lie. Sometimes I ask why I can't get you out my head. I ought to forget that I really need to cut you off. You're always trying to lead me on. You're making all these promises, and you'd always quit. You were just another hypocrite. No, I'm guilty, you gotta go ahead. Now you thought that I would always stay. But you thought I'd be yours, cause you got my mind, no, but some will tell me. On a une mini salle de sport genre pour nos affaires, c'est génial. Papa il est content. Oui papa il est content. Oui ça c'est ton placard mais non. Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Cette semaine on a pas mal de choses qui vont se dérouler parce que déjà demain je ne suis pas là, Elliot va se faire tatouer. Si vous avez suivi la péripétie sur Instagram, je vous invite à me dire j'étais là et je sais. Vendredi on n'est pas là non plus, du coup ça fait déjà que j'ai deux lives qui sautent dans la semaine. Aujourd'hui nous sommes lundi, comme vous l'avez vu hier j'ai fait pas mal de petites choses à la maison. J'ai pris vraiment une grosse journée pour moi, je nous ai fait une salle de sport en bas. Parce qu'on avait une salle qui servait strictement à rien, juste à stocker les croquettes de Boubou qui est juste ici et de Ethan, et du coup j'ai décidé de tout ranger et de nous faire une mini salle de rangement à faire de sport. Au programme cette semaine j'ai aussi un envoi d'une marque qui va être une future collaboration, j'ai un call avec eux en fin de semaine, il se passe vraiment beaucoup de choses. J'attends aussi d'ailleurs quelques colis, je me suis commandé un pull que je trouve magnifique, j'ai aussi des colis qui arrivent depuis deux semaines là, donc j'ai hâte de les avoir. Mais pour l'instant nous sommes lundi, il est 9h, mon objectif ça va être de filmer ma vidéo Murders Explain que j'ai écrit tout à l'heure avec mon petit smoothie framboise pomme qui était délicieux. Et j'ai pris Blue avec moi au travail pour la simple et unique raison que c'est la pleine lune et que du coup il est insupportable. Donc je me suis dit au lieu de le laisser à Elliot, le laisser galérer avec, je vais le prendre moi. Il m'écoute quand même plus vu que je suis son mâle alpha. Mais voilà, pour l'heure c'est tournage Murders Explained. À midi, Elliot m'emmène au resto parce qu'il veut qu'on se fasse un petit date. Donc je vais essayer de clôturer ma to-do list pour midi concernant mes tâches du matin. Je vous remercie également pour tous les messages que j'ai eu sous le weekly vlog de la semaine dernière. Et évidemment, j'essaierai de me poser et de répondre à toutes les questions concernant le déménagement en Belgique. Et pour l'heure, il faut que j'aille filmer, tout est installé, donc je vais poser mon derrière et c'est parti. Let's get record the video of Murders Explained. Et toi là, t'as pas intérêt à m'embêter. Il sait qu'il fait n'importe quoi, regardez-le. Il sait que c'est la pleine lune. Tu restes là, tu m'embêtes pas. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je vous ai montré vite fait, mais j'ai reçu la montre que j'ai commandée. Donc, c'est pas une Apple Watch, hein, je précise quand même, c'est une Guard Pro, je crois. Elle était en promotion, je vais vous laisser avec Blue le temps que je parle.
Et du coup, le but, ça va être vraiment de m'aider à courir par rapport aux battements de cœur, etc., etc. Mais j'ai un run ce soir, donc je pense que je vous expliquerai, ou du moins j'expliquerai sur Instagram. Il va être 11h, j'ai filmé, j'ai dérushé, j'ai préparé mon live, j'ai annoncé mon live. Je suis trop content. Du coup, là, Elliot, il va m'emmener manger. On va au resto chinois, ça fait tellement longtemps, je suis trop heureux. Il m'invite en date, c'est trop mignon. Ce monstre là-bas, je sais pas si vous le voyez. Lui là, il a été insupportable. Vive la pleine lune. Donc je vais le faire graille aussi. Et comme ça, il va faire un gros dodo. Vivement que cette pleine lune passe. Trop hâte d'aller manger. Vu que j'ai tué Aloé, je retente l'expérience. Et cette fois-ci, elle restera en vie. Hein. Oui, je crois en toi. My god. Je suis heureux. Je vais la garder en vie, hein. Bien sûr que oui. Voyez, oui. Je viens de finir mon montage, je crois qu'il va être 15h, j'ai un live à 16h. Mon objectif va être de faire des photos, donc je vais essayer de vous filmer un petit peu, sachant que j'ai plus de batterie. Je suis dans un mood blue energy, donc je me dis que ça peut être pas mal, par contre il y a pas mal de vent. J'avais une petite télécommande pour prendre des photos au loin, mais je l'ai perdue, donc je suis trop deg. Mais c'est pas grave, je vais faire avec les moyens du bord, je vais tout installer, et je vais faire des petites photos. Je vous les montre, mais suivez-moi sur Instagram pour vraiment tout voir. Instagram, c'est Rudy Coppel, comme d'habitude. Voilà. Oh, coucou, c'est nous. Je sors de run, je viens de faire mes 5 premiers kilomètres sans aucune pause. C'est-à-dire que les précédents runs, le tout premier déjà, je le compte pas vraiment. Et les deux autres, j'avais fait 5 et 5. Mais la première fois, je l'avais fait en 3 fois. Et la deuxième fois, je l'avais fait en 2 fois. Et là, vu qu'il y a eu une pause du week-end, j'ai voulu le refaire en 2 fois. Et finalement, en fait, entre la montre et le fait que j'avais un gilet et que donc mon téléphone était dans ma poche... Tu finis tes griffes toi, je suis en train de parler. Bah en fait je pense que j'avais une pression en moins et que surtout je ne voyais pas le temps qui est en train de couler, enfin de défiler. Parce qu'en tenant mon téléphone déjà tu tiens, du coup je pense que ça contracte tout ton bras et surtout tu vois tout ce qui se passe. Ah vu que je voyais pas, bah juste j'écoutais ma musique et je courais. Je vérifiais juste mon BPM pour pas être trop élevé. Et au final j'étais en train de rentrer et il m'a dit 4 km donc j'ai fait bah tu sais quoi, je fais le dernier. Et du coup je suis trop content, j'ai fait mes 5 premiers kilomètres. Et on est lundi donc le prochain run il est mercredi. Je pense essayer de refaire ça et si j'arrive à pousser à 6, ça serait incroyable. Voilà, trop fier, je vous laisse avec les petites vidéos que j'ai prises et encore une fois, suivez-moi sur Instagram, je poste tous les réels running là-bas. Pour l'heure, il faut que je m'étire, que je monte mon live, enfin mon replay, et que je monte du coup le réel running de ce soir. J'ai aussi une sponsor à poster pour 900 kers. D'ailleurs, je vous la mets ici, on a testé le dentifrice, c'était vraiment drôle et honnêtement, il marche très bien. Donc je vous rappelle qu'il y a moins 20% avec le code qui s'affichera à l'écran. C'est un contenu qui est sponsorisé, je suis ambassadeur pour eux. Je vous mets le réel, n'hésitez pas si ça vous intéresse, c'est vraiment pas cher, il y a des kits d'essai, etc. Et vous avez également une offre de parrainage pour vos proches et vous. Je vous laisse avec la sponsor, on se revoit juste après la pub. Bon les gars, il y a quelques jours je vous ai posté un petit réel concernant la marque 900 kers pour qui je suis maintenant ambassadeur. Le mec est influenceur, ça y est. J'avais envie de tester le premier produit avec vous, vous le savez si vous me suivez, j'ai repris le sport. Qui dit sport dit puanteur extrême et donc besoin d'un déodorant. Alors je ne l'ai pas encore testé, le but de cette collab ça va être de un peu tout tester avec vous. Par contre ce que je peux vous dire c'est que ça sent extrêmement bon et que je connais un peu le principe. Le principe est simple, si j'arrive à l'ouvrir. Vous avez votre recharge que vous pouvez mettre juste ici et c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir donc un déodorant qui est moins impactant pour l'environnement. Le mien est au parfum de la rose, évidemment on adore princesse. Et pour vous expliquer très rapidement ce en quoi il consiste, fabriqué en France, efficace toute la journée, formule naturelle, 90% de plastique jeté en moins et une formule vegan. On passe au crash test et j'espère qu'il va me plaire. Alors, on l'ouvre. Oh le mec est maladroit et a déjà détruit la moitié du déo.
Oh, ça sent trop bon la rose, j'adore. On tourne, on tourne, on tourne. Par contre, je vais pas vous montrer mes aisselles en fait. Oh, déjà c'est agréable, genre c'est pas ripant, ripeux. Ça sent trop bon la rose, ça sent un peu la lessive que je mets tout le temps, j'adore. Alors écoutez, déjà j'ai un effet frais sur moi. Ok, on peut le rembobiner au max, c'est juste ici. Mais il faut faire attention parce que du coup, comme vous voyez, il y a des petites découpes qui se font. Genre autour là, il y a des petites découpes et je pense qu'il faut faire attention en le rembobinant et en le dérembobinant. On veut pas le focus sur moi, c'est pas moi la star aujourd'hui. Au niveau de l'odeur, j'ai peur que ça soit trop fort. Non, c'est pas trop fort, c'est agréable. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir si ça va tenir dans le temps. Réponse en description. Allez, maintenant je vais m'occuper de mes étirements, de mon live et après je vais aller faire à manger et dormir parce que je vais être claqué. Vous inquiétez pas évidemment que je me lave. Non mais par contre j'en peux vraiment plus de ces baby hair là, c'est quoi ça? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are mardi. C'est le jour où je dois filmer une vidéo enquête pour ma chaîne. Il est actuellement un petit peu plus de 8h. Je vais filmer ça maintenant parce qu'on part à 12h30 pour le tatouage de Elliot cet après-midi. Donc cet après-midi je vais en profiter pour m'occuper d'écrire MTTI, faire tout ce que j'ai à faire sur l'ordi parce que ça va être très long. Donc je prends mon ordi et tout va bien aller. Pour l'heure j'ai un petit tournage. Et surtout, je me fais insulter sur Instagram parce que je cours. Ouais, du coup, je me fais insulter tous les noms. C'est pas grave, ça veut dire que je deviens une star. Je suis toujours dans mon mood Blue Energy. Donc, j'ai ma petite veste bleue qui vient demander moi. J'ai pas envie de mettre cette marque en avant et c'est pas Shein. J'ai un haut qui vient de Asos. Un collier qui vient de Asos. Et une tête qui vient de ma mère. Allez, c'est parti, tournage. C'est mise en scène vraiment. Du coup je viens d'arriver, Elliot est parti chez la psy. Je vais me faire mon deuxième matcha de la matinée. J'en fais jamais deux mais là franchement j'en ai besoin vu la journée qu'on va passer. Comme ça je vais un petit peu vous parler du matcha parce que je sais que vous m'avez posé pas mal de questions dessus. Avant ça, un update. Aloe est morte. Du coup j'ai décidé d'en acheter une nouvelle. C'est Aloe 2.0. Je promets de bien m'en occuper. Déjà je la caresse et je lui parle. Et surtout ça m'a trop touchée parce que je savais pas du tout que c'était la plante guérisseuse. C'est à dire que vous savez quand on achète des plantes on a un petit mot ici. D'ailleurs je dis acheter mais honnêtement je l'ai adopté. C'est un être vivant. J'ai vu que ça pouvait soigner les brûlures, les coupures, les coups de soleil, je suis choquée. Je veux dire, je sais qu'on peut faire de la skincare avec, mais je savais pas que c'était The Healing Plant. Je promets de bien m'en occuper, j'ai la terre qu'il faut, j'ai de la terre cactée, j'ai aussi un cache-pot qui sera un petit peu plus gros pour elle, ça lui permettra de survivre. Et surtout, bah, je vais regarder un petit peu comment est-ce qu'on s'en occupe vraiment, comment est-ce que je dois la rempoter. J'ai vu que je dois l'arroser 2 fois par semaine, mais je la ferai boire par le dessous. Donc voilà, en tout cas trop content parce que en vrai j'ai un amour pour les plantes en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Également mention spéciale pour ces tulipes que j'ai trouvé à Lidl à 2€. Je me suis pris une mini sauce sur Instagram. Donc il y avait plein de gens qui étaient super bienveillants et qui m'ont vraiment expliqué les choses. Et du coup ça m'a permis de pouvoir recouper bien les tiges et de mettre la bonne quantité d'eau. Mais j'ai aussi reçu genre je sais pas 30 messages de personnes que je connais pas qui m'ont dit que mon seul but dans la vie était de tuer des plantes, de les noyer pour faire du contenu. Tant je suis désolée, ça fait plus d'une semaine qu'elles sont là. Elles sont toujours très en forme j'ai envie de vous dire. Et surtout je m'en occupe tous les matins. Donc voilà les haters, je vous vois. Mais je précise quand même évidemment que je parle pas des messages bienveillants que j'ai reçus. Des personnes qui vont m'apprendre des choses de manière bienveillante, évidemment que ça m'intéresse. Mais venir m'insulter de tueur de plantes, de noyeur de tulipes pour faire du contenu, ça c'est non. Donc voilà, on se retrouve dans la cuisine, je fais un matcha et je réponds à vos questions que normalement je vais pouvoir retrouver assez facilement.
Et après, montage. Oh, j'adore ma peau aujourd'hui. J'ai mis un petit peu de blush Rare Beauty, mon anti-cerne pour cacher mes poils et mon truc à sourcils qui les plaque un peu et qui les colorise vite fait. Et depuis que j'ai arrêté le café, j'ai l'impression que mes dents sont de plus en plus blanches. Je suis choquée, genre vraiment, j'adore ma vie en ce moment. Ouais. Une des questions qui revient le plus souvent, c'est à quelle température faire chauffer l'eau pour le matcha. Honnêtement, ils disent 70 degrés, moi je fais entre 70 et 80. Ce qu'il faut, c'est ne surtout pas brûler le thé matcha, parce que sinon, tout simplement, les vertus seront brûlées avec et le goût n'est pas le même. Une autre question qui revient énormément, c'est la marque que j'utilise. Ça va faire des mois maintenant, je crois, que j'utilise Noka Matcha. Alors, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que la youtubeuse qui a créé cette marque, Stel, m'avait envoyé un colis produit offert. Celui-ci, c'est le mien. Il faut savoir que j'en consommais de chez elle avant qu'elle me voie sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas d'intérêt ou peu importe à ce que je le dise, c'est juste la vérité. Et d'ailleurs, si vous êtes venu me demander plusieurs fois, au tout début je buvais du matcha, je refusais de vous donner les marques parce que j'en testais via Amazon, j'en testais du pas cher, j'en testais en fait du mauvaise qualité. C'est pas français ce que je dis. Avec Noka Matcha, ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a trois gammes de prix, donc celui-ci c'est le plus cher. Il y en a un milieu de gamme que je vais recevoir aujourd'hui justement et que je vais pouvoir goûter, et il y en a un petit peu plus bas de gamme mais qui reste tout aussi bon. Plus le matcha sera premium par exemple chez Noka Matcha, moins il y aura cette amertume qu'on peut retrouver. Et personnellement, le goût amer dans le matcha ne me dérange pas du tout. J'aime le goût du matcha, j'en bois pas juste pour me donner un genre. Si vous voulez des marques avec absolument pas d'amertume et où on perd malheureusement le goût du matcha, il y en a d'autres sur le marché. Mais moi, si je vous recommande quelque chose pour débuter, c'est le milieu de gamme Noka Matcha, parce que celui-ci est délicieux, donc je pense que le milieu de gamme doit être tout aussi bon pour moins cher. Je vous mettrai dans la barre d'infos, où je vous en parlerai dans la semaine je pense, parce que je vais le recevoir aujourd'hui, donc dans le weekly vlog, le goût et mon avis par rapport au milieu de gamme. Je l'ai jamais goûté, j'ai toujours goûté celui-ci, le prestigieux. Au niveau du dosage, c'est aussi quelque chose qu'on me demande beaucoup. Généralement, quand vous commandez un kit à matcha, je crois que chez Noka, il n'y a pas cette petite spatule. Mais par exemple, sur Amazon, le kit débutant que j'avais pris, il y avait cette spatule qui est en train d'être détruite sur le derrière. Ça vous aide à doser parce qu'en fait, il faut prendre juste une petite spatule bombée. Mais sinon, vous prenez une cuillère à café assez rase. En fait, il faut environ 1 gramme selon mes doses à moi, ça dépend. Mais par exemple, sur le verre Noka, ils vont dire 1,5 à 2 grammes de matcha. Moi, c'est pas ce que je fais parce que je trouve que c'est trop fort pour moi. Peut-être parce que je suis trop maigre ou j'en sais rien. Mais je trouve que 2 grammes, c'est beaucoup pour moi. Ensuite, comment est-ce qu'on le prépare? Si vous avez un kit avec un petit fouet, vous mettez dans un bol avec à peine d'eau et vous fouettez jusqu'à obtenir une mousse que je vais pas renverser, mais vous avez déjà vu dans les weekly vlogs. Sinon, vous pouvez vous procurer un fouet électrique. Et du coup, ça va tout simplement fouetter le matcha. Moi, je préfère faire avec le four en bambou. Premièrement, parce que c'est plus traditionnel et j'aime beaucoup. Mais surtout parce que, je sais pas en fait. Je crois que je préfère le préparer comme ça, tout simplement. Tu veux te donner un genre? Je m'en fiche, moi je préfère. Dernière question qui revient beaucoup, comment est-ce que tu fais tes lattés? Oula, ce cadrage, Rudy. Je vais vous montrer comment je l'ai fait tout simplement. Et pour le lait, je vous conseille tout sauf du lait de vache, parce qu'il me semble que le lait de vache a justement un petit problème avec le lait de vache, je crois qu'il ne fonctionne pas bien avec les vertus du matcha. Donc quand je me fais des lattés, mais honnêtement je m'en fais plus beaucoup, j'utilise du lait d'avoine, pas celui-ci d'habitude, mais ils n'avaient plus celui que je prends au magasin. Normalement j'utilise le Alpro Avoine Onctueuse, il mousse extrêmement bien. Celui-ci mousse un peu moins, mais il est tout aussi bon, c'est du lait d'avoine. Et pour le mousser, j'ai une petite technique. Je vais tout simplement mettre un fond de lait dans mon verre, donc un fond de lait dans le verre. Ta-d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 a-
사실은 Il faut me suivre sur Instagram, je peux pas faire tous les unboxings ici. S'il vous plaît, venez.